Hey Beaches, c'est Music Box et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'aventure survie sur Dead Island en compagnie de Bat du 21 mec. Et Koala. Tu dis pas salut malotru? Bah si, salut. Ok. Regarde, je te présente mon fallu. Ton fait. Regardez quand même hein. Bat se balade avec une couille poilue quand même, accrochée au bout d'un bâton. Regarde, ça pique. Je préfère ma masse éthique quand même. Hein. C'est... Non, je préfère mon outil de biche. Et on en était où? Qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse maintenant? Il fallait aller chercher le mode piranha. Le mode piranha. Ouais. On se demande toujours ce que c'est que ce truc bizarre. C'est pour ça en fait. Let's go! Aujourd'hui, dans notre nouvelle aventure de Koh Lanta, les rescapés et les survivants de l'île devront trouver. De la bouffe avant de quoi manger et de quoi se fabriquer un abri au bord de la plage. Voilà. Attends, on quitte la zone jouable. C'est quoi ce bordel? Ah ouais, faut faire gaffe en fait, faut rester bien dans les paillasses. D'accord, c'est plus du tout le. En fait, on est au bord de la carte là. Ouais, d'accord. Faut que vous veniez vers moi en fait. Hein, On te suit. Donc c'est Blacky qui meurt à chaque fois en premier. C'est ça que je passe en premier. C'est ce que je disais dans l'épisode précédent, hein. C'est les blacks et les bimbos, et toi t'es une black, alors c'est... Ah, t'as quand même réussi à nous faire une mort à l'écran, une vraie. Parce qu'il y avait la mort offline, mais t'as quand même réussi à mourir après, encore une fois. C'est vrai, j'ai réussi à mourir avec le... Ce serait bien qu'on se fasse le défi de ne pas mourir du tout, en fait. Oh, c'est pas trop dur, c'est aujourd'hui. Sinon, tu supprimes mon personnage. Sinon, tu supprimes ton personnage, tu recommences level 1. Hey, bitch. Je passe par derrière, je te mets ta misère. Hop là. Ah oui, mais c'est ce qu'il y a de mieux en fait. Pendant qu'il y en a un qui tank, moi je le démonte. Je le démonte, mais vraiment dans tous les sens du terme, tu vois. Avec ta petite lame de thaïlandaise. Attends. Allez. Voilà, coupage de tête. Attention, un zombie derrière toi. Ah tiens. Est-ce que je peux lui balancer? C'est possible. Tu peux le faire trébucher sur la balle de football, tu sais. Allez, on le tabasse, coup de pied. Quelle violence ce jeu, franchement, c'est... C'est totalement gratuit, c'est ça qui est cool. C'est la gratuité, vient... comme dirait Bob Lennon. On vient, gratuité, on la tabasse totale. Tout le monde. C'est la gratuité. J'ai des points américains ici pour un Black Ops qui tape au point, si vous voulez. Ah ouais. Putain, il est tout plein de sang, mon truc est tout tordu. Derrière toi, musique. Ah ouais, j'avais pas vu. Je me demande toujours, mais... sur les zombies, oh. D'où sort le flic? Je veux dire, où est-ce qu'elle les planque les billets quand elles ont rien d'autre qu'un maillot de bain? Je ne sais pas, go à la station là-bas. Que ça va pas aller tout en face là. La station là-bas, il y a le voyage rapide.
Mais on pouvait y aller à pied, c'est pas si loin, hein. Il y a 200 mètres, mais bon, ouais. Voyage ouais, rapide, il est à 150 mètres. Les gars, il y a bunker, là. Un bunker. Ah, mais on peut pas y entrer. Rentrer dedans. Il y a des quêtes, il me semble, pour les bunkers. Après l'invasion zombie, la seconde guerre mondiale, quoi. Il me semble aussi qu'il y a une quête où on peut récupérer un flingue sur la plage. Des bunkers sur une île déserte, sérieux. Ah, le passage des japonais. N'est-ce pas, musique. On fait quoi là? On monte au phare, c'est ça? Bah, je pense, ouais. Mais où est le phare? Ah, bah, c'est le machin phallique là-bas, j'arrive. Le gros sceptre turgescent au milieu de la carte là. Ça veut dire que les zombies n'aiment pas la montée et qu'il n'y a aucun mort vivant dans le coin. Moi non plus, j'aime pas la montée, hein. Mon personnage il arrête pas de haleter quoi. Il est habitué à courir. Il se passe quoi? Il peut même pas courir, ah si c'est. C'est marrant de voir une bimbo en talon faire l'escalade. Je vais faire affaire avec Javier là, je vais lui. C'est Javier. Ah, c'est exotique rude. Là, j'ai des points américains aussi. L'étoile du matin faible, ça m'intéresse ça. C'est chelou. Rien que pour avoir la classe. Batte de baseball, hémorragie. Et sinon, on avait une quête. Il fallait juste parler au mec qui était dans le phare. Ah, on y va, ne t'en fais pas. Je crois que le voyage rapide n'est pas loin. Something useful. Là, derrière toi. Ouais, je viens de gagner une batterie P4000 là. Oui, tu sais, le truc super rare qui. Pour les modes, cher. Ouais, ouais. Attendez, c'est où la récompense en question? Il y a de la boisson énergisante. Théoriquement, les récompenses, tu les vois sur ta carte. Hein, donc, Oula, c'était quoi ça? Holy shit, you're alive? Ouais, j'ai. How the hell is it possible you're still alive? Gars, j'ai passé une porte, y'a une quête ici. Oui, t'es allé en haut du phare. On parle au mec. Deserted here. Faut qu'on attende l'autre. Oui, apparemment, faut. Même pas voir où vous êtes parti en fait. Il hein. y a deux portes, voilà. Théoriquement, dans le jeu, il n'y a pas moyen d'avoir les voix françaises. Non. Vous êtes sûr que sur la version console, il n'y avait pas les voix françaises? Bah, il me semble non. Non, pas les voix françaises du tout. Non. Parce que là, je prends des enregistrements, mais il n'y a même pas les sous-titres pour les enregistrements. Peut-être qu'il faut que j'arrive dans les autres sens. Me and Cinnamoy had a slight difference of opinion. Everywhere. He wanted to stay put and wait for help. I wanted to get the hell out of there. Mr. Anomo? So I got the hell out. Now, we're working on setting up the lighthouse and sending for assistance. I sure could use your help. Argent. You want to get off this island with the rest of us? Go talk to my people. See what you can do to help, okay? Whoever that was. I think I just killed her. Heading with a unlike fucking lamb. Unlike the coast, there's a couple shipwrecks. She was out of her mind. The result of that monsoon that came through. She tried to bite me for Christ's sake. I'm thinking they might have supplies, including signal flares. She must have been 70 years old. Maybe the military. We need a way to let them know where we are. You interested in a little salvage work? I gotta get out of here. Good. Ah oui, on a 50 000 quêtes maintenant ici. Her name's Linda. She got beat up pretty bad out there. I don't even know how she managed to make it here. Probably made it on sheer adrenaline. She needs painkillers and bandages. Can you see if you can find some? An emergency landing near the edge of the jungle. Yes. Lost contact with them. Thank you. But if they there's a wrecked ambulance on the road to the bungalows and medical supplies in the lifeguard tower. I'm pretty sure you can find painkillers and bandages either place. Maybe there's a rescue car on the beach. Try to worry, okay? She's really suffering.
Je les ai, les antidouleurs et les embarras. J'en ai des bandages aussi. C'est bon, je les passe. That is exactly what I needed. Thank you. You just saved this girl's life. Mode bombe déo. C'est pour faire des trucs enflammés et tout, non? Oui, je crois. Ouais. C'est bon ça. Y'a encore une quête là-bas. Non, ça doit être à l'étage. Il veut rien faire. Ah mais faut les autres joueurs. Tout le monde rentre dans le. We follow James to this lighthouse so we could send out an SOS signal using the web. Ah, c'est la quête principale, non? On active le camp. Transformers power in the lighthouse, but he's been gone for hours. Someone needs to see what's happened to him and try to get the power back on. Those things can't do to you what they can do to us. Maybe you can help us. Voilà. On pourrait aller rendre la quête avec le mode Piranha et aller. Quoi là, c'est quoi cette arme? Attendez, je vais juste réparer mes armes et tout ça. Une masse d'armes en bois, c'est quoi l'intérêt? Mais c'est où qu'on répare nos armes ici? Bah, si tu veux, musique, faut faire la quête principale. Faire la quête pour avoir la clé pour ouvrir la porte. Donc faut qu'on aille au truc de sauvetage. Ouais, on fait la quête d'Anna vite fait d'abord ou. Bah, faut rendre la quête au truc de sauvetage par là, non? Where the hell did I put that? Oui, Anne. Ah ok, elle est là-bas. Et en plus c'est à côté de la quête principale. Bon bah, allez, démarre. On est parti. Démarre avec les fils, tu sais le faire. Yo Piatch, je mets du gros Snoop Dogg dans la caisse. Dommage qu'on puisse la faire rebondir sur les zombies comme ça. On a dû prévoir les musiques de GTA, tu sais. Oui, j'ai toujours la BO de Hotline Miami. Non, c'est rien, mal. Des zombies. C'est des mecs avec des masques. Ouais, rendez-vous de dimanche après-midi chez Jackie, on est parti. Limite, on peut s'arrêter à la station service pour récupérer du carburant. Ouais, c'est juste à côté. On part brise, bitch. Allo les mecs. Écrase-le. Voilà. Et ton bug, il a traversé la voiture, ça. Il y a une autre caisse ici. Ah non, elle est pas utilisable. Ah, il rentre dans la station. What you want, gas? Sorry. Regardez son nom, il s'appelle Danmark. Oh non. C'est le troll. D'accord. On prend les jerrycans. Ah, vas-y, moi j'ai piqué les sous dans la caisse. Il va y avoir grave des thunes dedans. Non, même pas. Moi je coupe les zombies en miettes. Oh, une pelle! Trop bien, tu vas pouvoir la rouler. Ça sert à rien, c'est de la merde. Help. Ah, un jerrycan vide. Ah, ça c'est important, c'est pour la quête. Ah, mais il a déséquipé mon. Il a déséquipé mon truc. Attends. Ah, il faut utiliser des jerrycans pour les remplir, c'est quoi le truc? J'ai rien suivi les mecs. Faut prendre les jerrycans là. Merde, un assassin. Laisse-moi m'en occuper. Il faut activer le courant pour ouvrir les portes. Je vais activer le courant là. Et après faut remplir l'essence. Yeah. J'active le courant, ça va ouvrir la porte. Bah voilà, maintenant il faut que je fasse remplir un jerrycan d'essence. J'en ai un là, si vous voulez, je vais le prendre. Par contre, je sais pas comment faire le tour du truc là. Parce que vous êtes passé derrière, mais je sais pas comment vous êtes passé. En fait, tu peux sortir par l'entrée principale, on a ouvert la porte. Coucou. Ouais. Tiens. Hey. Goodness. Oh, okay. Oh.
Là c'était gratuit celui-là. C'est bon, tu t'en sors avec le jerrycan. Oh là, il y a une arrivée de zombies là, c'est quoi le bordel? Ouais, il y a des arrivées de zombies là. Oh, je l'ai rempli, hein, je le mets dans le coffre. Voilà, il en faut encore quelques-uns. Oh là, ce tranchage de tête, mon gars. Il reste encore des jerrycans vides? Ouais, ouais, il y en a plein là, dans le garage. En fait, je crois qu'il en faut qu'un. Ouais, il en faut qu'un normalement. Ils disent remplir un jerrycan d'essence. Alors pour le prestige, on peut peut-être en amener deux. Non, on peut pas les récupérer les autres. Là, il y a un jerrycan de carburant là. Faut les mettre dans la caisse, faut faire quoi? Ah non, mettre dans la voiture bleue. Ah bah attends, mais musique, c'est celui que j'avais mis dans le coffre. Ouais, faut les mettre dans le coffre. Faut en mettre 4 voilà. Peut-être. Et alors moi, bah, s'il faut ramener qu'un, on en ramène qu'un. On va le ramener de l'autre côté. On va le mec, bah, secours. Le mec il se fait rien au quête, tu sais. Non, non, non. Mais attends, non. Je me retourne. Non, je te retourne par la voiture, s'il te plaît. Deuxième. C'est quoi ça? Ah, ça y est, c'est parti. Est-ce que tu peux accélérer, c'est mieux. C'est quoi ça? Des zombies volants maintenant? Hein? J'ai un zombie qui s'est envolé. Ok. Je sais pas, j'ai vu une bagnole neuve. Et... Ah, t'as voulu goûter à son pare-choc. La tentation. Pare-choc de la tentation, tu sais. Ah, mais tu peux pas t'en empêcher, mec. Qu'on va devoir descendre. On a inventé les murs. Ouais, pour empêcher les gens normaux de conduire n'importe où. L'île de la tentation, nos trois célibataires viennent d'arriver sur l'île, ils font déjà fureur. Tout le monde a envie de leur faire des gros câlins. Bon, attends, elle me casse les couilles, bouge pas. Je crois que j'ai bloqué la bagnole. Bouge là. Je descends, je prends le carburant et je me casse. Y'a un autre véhicule là-bas. Je peux même pas sauter avec le jerrycan. Oula, c'était quoi ce vieux bug? Il est où le véhicule? Il nous faut, parce que bon. Il est plus haut sur la route. Là. Attendez, bah venez, on va faire la quête d'abord et Couvre-moi. Non, pas dans ce sens là, de là où on vient. À 100 mètres, où il faut rendre le jerrycan, c'est bon. Comme tu marches à pied. Regarde-moi ça, regarde comme c'est pitoyable. Allez, avance, biatch. On dirait qu'il y a son tampax qui pente les jambes, tu sais. Elle arrive pas à marcher du coup. Moi, je trouve ça intelligent de balancer des jerrycans remplis d'essence et de taper dessus après. Au fou, ça marche. J'ai fait 40. Ah, un petit coup de boisson énergisante là. Voilà, comme ça il nous suivra plus lui. Effectivement, Sambi, on dirait que t'as un tampax qui sort. On peut y aller à pied là, de toute façon, non, il faut remonter jusque là-bas en haut, non? Là, j'aurais pas dû faire ça. Non. Je sais même pas où il faut y rendre en fait là. Il faut je me casse de là. Ah non! Pour rendre ça au. À Mike, le mec qui est à l'entrée. Enfin, les cadavres, il va tout faire cramer. Vas-y, je vous rejoins. Je m'occupe juste de 2-3 enfoirés sur le passage. Je te signale qu'avec un tapac dans le cul et un jerrycan dans les mains, je suis allé plus vite que toi. Bien. Je balance le jerrycan à la flotte et t'as plus qu'à aller en chercher. J'ai fait une femme tronc. On va un morceau. C'est bon. On doit pas aller là en fait. Si. Ah si. Hey, thank you.
This should do it. By the way, I'm Mike. I got the bodies piled up outside. Guess. Quelqu'un a faim? Oh, la séquence émotion du film. Mais non, il se bouche le nez parce que ça pue. Ça fait trop à pleurer, quoi. Moi, j'ai aucune pitié à brûler des zombies. Hein. Oh, moi, je vais réparer mes flingues. Moi, je vais réparer mes armes aussi. Apparemment, on peut... Ah oui, c'est Mike. Ah non, Mike, il est à l'étage et il nous donne des molotovs. Ouais, si on lui met de l'essence, c'est ça? Enfin, de l'alcool? Bah là, déjà, il y a une récompense pour tout le monde, molotov. Ce que propose le vendeur. Je regardais si je peux modder des trucs. Il a reconnu caca lui. Ah mais ça coûte énormément d'argent de... Oui, mais c'est tellement énorme. Ouais, parce que mon arme violette, là j'essaie de l'améliorer, mais il me faut 322 pour l'améliorer. Bah, c'est pas beaucoup encore. Ah, j'aimerais pouvoir me créer un mode. Un mode clou. Il me faut encore un déodorant pour fabriquer de la bombe déo. Ah, mais j'ai pas l'argent pour créer de toute façon. Ouais, je m'en fous. Est-ce qu'on pourra modder des armes tranchantes plus tard ou c'est seulement les armes contondantes? Oui, je crois. I heard this skirt. Il y a un couteau violet aussi ici. Pas d'argent. Voilà, c'est pauvre. Maintenant, quelle idée d'instaurer une monnaie en tant que zombie. J'ai une batterie LP4000. Je pense que je vais mieux la garder, non? Ça permet de faire une arme OP un peu. Voilà, ouais, vous pouvez toujours vendre votre stuff pour le mode, mais pas les trucs super rares comme les batteries. Non, la batterie verte, je la garde. Bon, mes chers, on doit aller faire quoi maintenant? Il y a une nouvelle quête qui est. Moi, je veux le mode piranha. Oui, moi aussi. Attendez, il y a une nouvelle quête en haut qui s'est mise. Non ça c'est rien, c'est. Une quête, c'est une quête répétable qui permet d'obtenir des cocktails Molotov. Stop. Eh, t'oublies quelqu'un. Tu fais de la ségrégation ou quoi? Du racisme contre les blancs. Toi t'es chinoise. Anti-asiate. Ah, c'est un ghetto black ici, hein. On veut pas de ricantonner, oh. Wesh. Vas-y. Moi je porte la batte à l'envers, hein. C'est un jour, il faudra quand même que tu penses à passer ton permis, hein. Même si on est sur une île où tous les flics sont morts et tout. Tu sais, avant tout, le permis c'est fait pour être sécurisé. Après, voilà quoi. La voiture nous refait un petit remix sympa. Waouh, qu'est-ce qui se passe dans ce chalet là? Bah, mais si il enfonce les portes, il est comme ça. Let's take a look. Elle a toujours manque d'eau, elle. Thank you. You find anything? Oh, thank God. Thank you. Oh, thank God. Oh, thank God. Oh, thank God. C'est quoi ça? C'est dommage, plus personne n'a d'eau. Oh. Il va faire un comé drôlique là. Oh thank god! Oh thank god! Peu de manie quoi. Y'a pas de l'eau dans le chalet. C'était un hydro. Un hydro-orgasme.
Ça s'appelle de la potomanie, hein, sérieusement. C'est de la minute culturelle pour nos viewers. Oh, le fait de ne pas pouvoir se passer d'eau, c'est de la potomanie. Dans chaque épisode, t'auras une blague raciste et une blague de cul, tu vois. Calme-toi, quoi, là, avec ton ostéopathie avancée, hein. Enfin, pas qu'une seule, même plusieurs. Ah, putain. Je rêve où on a fait la moitié ah bah, de pois chiches et de carottes. Attendez, Trubidule, vous voulez lui parler. On a fait une 4 et demi là. En une demi-heure, les mecs. On a déjà sorti 4 blagues. Hein. 4 blagues. Blague ou blague. Blague. D'accord. Après ta confusion. Putain, Tug Life quoi. Je roule sur la plage, rien à battre. Lui, Lilia. Ce bordel quoi. Oh. Oh le pare-brise, j'y vois plus rien. Bon. Moi je suis un. Je peux pas. Sors de là, c'est bon. Tu crois qu'elle flotte la voiture? Attends, je vais tenter de. Non, de passer pas dans une vraie question. Je vais pas tout rush tout seul donc. Allez, viens. Y'a un assassin? Non, il est plus là. Bon, encore. Mais je crois qu'il y a de l'alcool. Ah non, j'ai tout pris tout à l'heure. L'autre il roule dans l'eau là, en affaut. Va noyer la caisse. Ah merde, j'ai noyé le moteur. Bah oui. Ah non. Ah non, ça roule. Il y a des trucs qu'on peut ramasser dans le coin. Ça roule lentement, mais ça roule. Oui, c'est normal, c'est l'eau. Tiens. Ah, ok. Enfin, venez, on ramasse tout et puis on va farm le madame. Ouais, c'est peut-être pas très drôle non plus, quoi. Ça va. Bah, c'est, non, c'est bien, ça ra... en fait, ça rapporte 70$ à chaque fois. Ouais, ça par contre, c'est bien. Non, surtout les 100 points d'XP. Mais bon, la richesse facile, quoi. Tu tues un zombie, t'en ramasses un canté un aussi, tu vois, c'est... Manche à belle abîmée. Ah, j'en masse de l'alcool sur un zombie. C'était bon. L'autre il a 10 km derrière là avec sa voiture, il est toujours en train de persévérer quoi. Non, je ramassais de l'eau et de l'alcool. Oh celle-là elle a pris bien cher, hein. Regarde ça. Ouais. Voilà, maintenant j'arrive avec Bagnol. On fait des femmes troncs pendant le combat, tu sais. Attends, y'a un zombie là. Ça me fait penser à la chanson la femme de fer du club des losers. Chérie, il ne faut pas baisser les bras, sinon ils vont frotter par terre. Elle est cul de jatte la meuf. Attends, on va l'arranger. Salut les mecs. Un peu de sauce tomate. Qu'est-ce qu'il fait lui? C'est Pimp My Horse là, c'est quoi? Attends, je vais te tirer dessus. Je peux passer dessous là. Je suis en train de chercher une échelle. Bon, je vais au paradis de la drogue. Oh, elle nous casse les couilles avec son champagne, celle-là. Ouais, peut-être qu'on en trouve. Elle a intérêt à payer son corps après. Le fil de diamant. Hein. Elle donne tout ce qu'elle a. Vous aussi, il y a un bug avec son cou. Mode piranha, tu dois pouvoir mettre des barbelés ou quelque chose comme ça, je pense. Et l'eau. Il en reste peut-être de l'autre côté. I need champagne. Oh. Les mecs, enfin, les madames ici, elles sont pas mortes. Hein. Elles sont shootées. Bon. Vous venez? Oui, on se bouge là. Allez, go, go. Je vous emmène. Quelle caisse? Ah, mais t'es où? Je suis garé. Ah, mais t'as vu à quelle vitesse t'avances, franchement. Regardez, y'a de l'eau à l'intérieur de la bagnole, quoi. C'est n'importe quoi. Chers auditeurs, je suis vraiment désolé. Je ne suis pas responsable de ce qui se passe dans la tête des autres. Hein. Et si on faisait la quête du phare? Bon, on tourne au phare. Non, la quête du phare elle se passe dans les bungalows. Non mais what the fuck quoi. Oh là là, le moteur, tu vois, tu sens que c'est un... Tu sens que c'est un 15 chevaux, tu vois, 16 chevaux, comme ça. Le moteur qui... risque pas de surchauffer.
Je sais bien, ça... pour ma, ma pédicure, un petit bain de pied. C'est vrai que t'as les pieds dans l'eau là. En fait, j'ai compris, le mode piranha c'est pour élever des piranhas dans dans ta voiture aquarium, tu vois. Voilà la pêche. Et après, ça jette sur les zombies, ça les bouffe et ça devient des piranhas zombies qui peuvent. Non. Eh mais. Je viens de me rendre compte que j'ai Exhibit à côté de moi qui est en train de rouler une caisse complètement tunée, tu vois. Alors, yo, dans. On a appris que t'aimais l'eau, alors on a mis de l'eau dans ta voiture. Pour que tu puisses te baigner tous les jours en allant au travail. On a fait une voiture amphibie avec de l'eau à l'intérieur, comme ça tu peux baigner alors que ta voiture se baigne. Vas-y mec, je fais du surf et tout, il y a l'eau qui défile sur mes pieds. Ah mais sérieux mec, je vais t'appeler Exhibit maintenant. Ce sera ton surnom, Exhibit. Vas-y, je peux changer de place et tout. Moi je dis, elle fait un beau bruit quand même. Hein. Ah, attention. Ça va partir d'un coup, tu sais. Non, tu crois. On va se prendre le premier arbre venu. J'ai même pas bon où il faut aller alors. Bon. T'as un parasol. Attendez, je descends. Attends, il y a un assassin par terre là. Ah, vous avez vu, je suis mort. Sinon, il y a les épaves sur la côte, la feu d'artifice. Oui. Où ça? Alors. Pourquoi on peut pas voir directement les quêtes qu'on doit faire sur. Ah si, on peut les voir là. Sur la carte. Alors nous, on est là. Et la vous, quête, parce qu'il faut que je rejoigne quand même. La quête la plus proche se trouve. Dans l'entrepôt du phare, je crois. Je sais pas si on a récupéré ce qu'il fallait déjà. Attendez, je vais faire. Je vais tuer l'enfoiré qui m'a eu. Non mais on fait quoi là sérieusement? Ce serait bien qu'on bouge, qu'on fasse des trucs quoi. Okay. Bah on a qu'à faire une quête. Ouais, y'a un bâton formidable bleu, ça intéresse quelqu'un? Ouais. C'est pas moi les armes contendantes. Bon toi m'écrase pas. Exhibit, y'a une arme bleue sur l'assassin là. Donc moi je passe mon level. Comment c'est où l'assassin? Celui que j'ai écrasé Non, celui qui est sur le pont là à côté de moi, ouais. Tu as prise l'arme? Venez les mecs, j'ai un zombie avec une casquette. Une sacoche. Oh, trop énorme. J'ai trouvé un banlieue ça. Watch it. Et je vous le ramène. Oh mamzelle, t'es trop bonne là, vas-y. Oh, j'ai trouvé Billy. Oh, il a plus de casquette, il a plus de tête. Oh. Il a plus de tête carrément, c'est même plus. Eh, hey, c'est le scout. C'était. En stress. Oui, bah c'était. Oh, ouais. Arrêtez d'utiliser vos armes pour rien. Si on y allait. Non, j'ai mis. Quand je lui tape dessus, ça lui fait des hématomes. On s'en fout. Rouge, il reste un morceau de bras. Salut. Pour toi, ça sera moins cher. Allez, go. Quoi, parce que je suis de la même couleur que toi. Non, parce que t'as un gros bandana. Bah, ça passe là. On va dire que c'est normal. Les mecs, concrètement, on fait quelle quête là? Je sais pas, choisissant une, on l'a fait, on s'en fout. Mais... Bah, c'est bon, on est deux sur une quête là. On va réparer le phare. Et je vais descendre de cette voiture. Ouais, ça me gave aussi là. Oui, elle est à pied. Et j'ai un niveau à passer. Ouais, elle est cool la vie à me pousser comme ça. Et la chenille qui veut la 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 la.
J'ai coincé un zombie à l'intérieur d'une table. Ah non, c'est bon, il s'est... Hop. Bat. Attends, il reste un zombie là. Moi, je finis le boulot, toujours. Attends, moi, je vais aller prendre la truc. Arrête de faire de la merde là, s'il te plaît. Je me retourne. Non, je la veux, la boisson, je la veux. Non, fuck you, bah... Totalement gratuit. Il y a bien un bar à côté, t'inquiète. Laisse-moi rouler, toi. Tiens, il y a deux boissons, là. Payé. T'as pas péro ? Musique. Il y a deux boissons. Oh là là. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, cet épisode, sérieusement. Bah, dès que Koala se met à conduire, de toute façon. Hein. Ah, vas-y. Débarquement. Merde, ça tient pas. Sinon on y va à pied quoi, honnêtement, ouais, on s'en fout de sa caisse de merde là. T'as 300 bien, mètres, on est dans 2 minutes là. Moi j'y serai avant vous. On t'y sera mais avec moins de swag. En fait en courant on va plus vite que la voiture. Oui mais ça c'est dans l'eau. Oh. Prépare ton burn. Débarquement allié. Ah, il y a des bunkers et tout. Oh, ce qu'il a pris. Ah, vous êtes descendu carrément. Bagnole. Putain, et tu m'as tué, mec. Fais gaffe. J'ai perdu quasiment toute ma vie, tu sais. Ça peut faire de la merde avec ta caisse, on prend pas une voiture pour monter des escaliers quoi. C'est la thug life. Des fois troller tu trolls hein, voilà. Non mais c'est la thug life, tu peux pas. Nique la police. Prends ta police. Bon bah tu viens parce que t'es en retard hein. Je tue les zombies que vous avez pas tué et que j'essaye de passer parce qu'un con a garé sa voiture dans les escaliers. Je vois pas le problème avec ma voiture, elle est très bien garée. Musique, tu sais pas te garer ou quoi? Franchement. Ah, j'ai été retenu par un ballon. Il m'a plu. Ouais, y'a un peu beaucoup de monde là. Attendez-moi, moi aussi j'en veux un peu. J'ai pas eu ma dose de sang et de trip. Ah ouais, wow, c'est un détail ça. Couché. Je l'ai dit. Improving. Ah, encore niveau supérieur. Je crois que je vais pouvoir commencer le crochetage, les gars. C'est génial. Allez mec, vous venez, je suis une femme avec mes amis dans la piscine. Name's Marcus. I was fixing this piece of shit when these things came out of nowhere. See if you can get that other transformer back online while I finish fixing this one. Go! Okay. Oh. Ça serait bien que tu te retournes et que tu nous aides, mon cher Koala. Excuse-moi, mais. Oh, j'avais pas vu. Je viens de me taper une douzaine de zombies tout seul. J'ai eu bobo. J'arrive. Est-ce que vous en laissez derrière vous? C'est pas possible. Bah. Merde, non. Bon. Et celui-là. Oh, des demi-hommes. Est-ce que j'ai des trucs qui ne me servent à rien? Que foutait-il avec un manche à balai? Va-t-il marcher plus droit maintenant? Bon bah du coup je vous attends. On doit aller au transformateur. Ouais.
L'arme sur les toits, fuck la police. Ouais, ça joue Far Cry. Après je fais un saut, bim. Tac tac, t'as vu. Il m'a fait trop mal lui. Be careful. Ah oui, mais c'est un assassin ou quoi? Non, il avait une arme. Il avait une planche en bois dans la main. Ouais, mais il arrive à esquiver et tout. Je sais pas, moi il m'a esquivé deux fois. Ah, il y a ses potes qui arrivent. Mais Alexis, t'es où? Bah j'ai mis les zombies, vous avez mis. Faut suivre le groupe à chaque fois. Là je vais mourir encore un coup. Eh, je suis vers vous les gars. J'ai attiré la plupart des zombies sur moi. Allez, et demain. Moi en fait j'ai débloqué ma compétence plaquage, je suis content. Moi je vais pouvoir avoir la compétence crochetage tout ça. Bah c'est à dire en fait si je cours dans des zombies, je les repousse. Tiens regarde, je vais te montrer. Avec si... le zombie là qui est au fond. Si à boire je prends. Ah mode griffe de loup. Voilà, ouais. j'ai mon crochetage niveau 1 maintenant. Ah j'ai soif. Ah y'a boire, quelqu'un veut se taper l'apéro, il y a de la boisson là. Moi je veux bien un petit coup. Allez. Quelle force. Oh putain, ça va attirer les zombies, bruit. Ça. Bon, je reste à l'entrée. Tout va bien. Maybe there's something in here. Des points américains ici. Pour l'instant, j'ai ce qu'il faut. Ça arrive, les mecs. Il y en a au moins deux. Bah... Wow. Oh la chute. T'es pris un high kick de la mort là. Oh. Il a arraché la tête avec un... De la viande dish. Tu trouves de la viande sur les zombies, c'est dégueu. Oui, à mon avis c'est pour une quête. Peut-être qu'un mec veut faire un barbecue ou... Un barbecue de zombies pour voir s'il pourra survivre en mangeant ça. Oh, peut-être que les zombies peuvent manger du zombie. Eh, y'a un mode ici, ouais. Mode griffe de loup. Et là y'a surtout un endroit. Tu l'as pris Bat ouais, le mode. Ouais mais... Tout le monde peut l'avoir de son côté, je pense. Quelle violence, encore une fois. Je vais essayer de voir si on peut pas rentrer dans le bâtiment, apparemment non. Oh, for fuck's sake! J'ai des points américains de mon côté là. Alors pendant que vous le tabassez, bah je bois un coup. Hein. Je vais trancher les deux jambes. Je croyais que c'est normal. Ah, ni aussi. Good on ya. Bon, on bouge à la quête. Personne prend les points américains? Non. Moi je prends que les armes tranchantes de toute façon. Useless. Ouais, c'est un peu de la merde, non? Sauf pour les modes après. Genre griffe du loup, ça peut être pas mal. Si. Faut bien en avoir un quand même toujours sur soi, quoi. Ouais. Mais c'est mieux quand ça marche par deux. Griffe du loup, c'est sur les. Oh, y'a un assassin là! Américains. Ouais. Ouh, j'ai pris cher. Attendez, laissez-le moi. Ouah, j'ai juste vidé un barillet, qu'est-ce qu'il y a? De la boisson. Non, j'ai déchaîné ma rage, tu sais. Je kiffe sortir mon pistolet. C'est vachement cool de sortir un pistolet comme ça, c'est... Ouais. Les boss, c'est bien. Hop. All right, everything works. Go tell Darwin the good news. I'll stay here just in case the fuses blow when you start pulling power for the lighthouse. On s'arrête là pour cet épisode ou... Ouais, je pense que... De toute façon, c'était un épisode un peu what the fuck, donc normal. Bon, attendez. Bon, bah écoutez, chers amis, on va s'arrêter là pour l'instant. On se retrouve tout de suite après pour la suite des quêtes et encore plus de nouvelles aventures et de sang et de violence, tout ce que vous voulez. Allez, bye bye.